Salut les players, on se retrouve pour l'épisode 4 du Doctor Who The Adventure Games. Voilà, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre parce qu'on avait fini en beauté le premier chapitre la dernière fois, donc dans l'épisode 3. Donc j'espère que là je vais aller un peu plus rapidement, mais bon, je ne vous le garantis pas. Donc c'est épisode 2, Blood of the Cybermen, donc le sang des Cybermen. C'est parti, mon kiki. Donc, une toute nouvelle histoire, donc cette fois-ci avec les Cybermen. La première c'était avec les... Oh bah tiens, c'est la même image. Ah c'est drôle ça, c'est la même image qu'en bas. Oui, c'est la première c'est avec les Daleks. Et là du coup, c'est les Cybermen. C'est les ennemis les plus connus de Doctor Who, au cas où, si vous ne le savez pas. Donc là, nous sommes dans le cercle arctique, dans les jours de maintenant. Il s'appelle Chris Holm. On dirait trop Tomb Raider là. Franchement, on dirait le début de je ne sais plus lequel. Avec quand ils font des recherches dans la glace. Whatever that is, it's been buried in this ice. C'est qui seul, pardon. Ah, lui il fuit, on sait pas trop pourquoi, mais il a trouvé quelque chose apparemment qui est pas bien. Je pense que c'est un truc de Cyberman, hein, mais je ne dis rien. Tu as tombé, mec. Oh mon dieu, c'est tu. Et là, regardez sa chatte. Hein. Pas bien, mais... Oh my god, c'est une chatte. Il y a toujours une cinématique au début des épisodes, je pense que vous avez... Et oui, c'était un bras de Cybermen, j'avais raison. Ah oui, petit générique. Je suis pas du tout en rythme. Voilà, voilà, on veut jouer, on veut jouer, on veut jouer. Matt Smith. Karen Gillan. Donc c'est toujours avec Amy, du coup, forcément. Je sais pas si on va voir Rory dans un des épisodes, ce serait cool. Peut-être pas, peut-être qu'il a pas eu le temps de prêter sa voix. Je pense que c'est une question de ça aussi. Hein. C'est parce que comme c'est des vraies voix, bah Phil Ford. Ok, allez c'est parti. Moi je vais jouer. Ah oui, ok. You're actually telling me you taught Elvis to play guitar. Genre il a appris Elvis à jouer de la guitare. Bien sûr. How long has that been flashing? Someone sending an SOS. Ah, quelqu'un envoie un SOS. I doubt it to anyone that's passing. Generally, people aren't choosy who answers when they send a distress signal. Ah, il explique en gros que c'est pas forcément la motardiste qui l'envoie, mais en gros, les gens ne peuvent pas choisir à qui ils envoient le vaisseau. C'est à celui qui va être le plus près. C'est logique. Et comme le tardiste voyage un peu partout, forcément, il est passé par là au bon moment. Where are we? Ah, on est dans un endroit froid. Alors, Amy, je ne sais pas comment tu fais pour être en jupe là, parce qu'on a vu, il fait -40 degrés. Ah, le signal n'était pas très fort. Un icequake. Ah, genre là, il y a un jeu de mots avec la glace et le tremblement de terre. Elle a dit c'est un tremblement de glace. LOL. From the look of these, I'd say we're on some sort of floating ice plateau. Plateau de glace flottant. Just a quick look around. Didn't you listen to anything I just said? No. Il l'écoute pas, bah, donc là il nous réexplique comment jouer, d'accord. Oui, au cas où, si on commence par sur... C'est vrai qu'on n'est pas obligé de commencer par les Daleks, remarque. Hein. Donc il faut trouver d'où vient le signal de détresse. Alors là, il y a un collectible. Donc c'est les femmes, voilà, il nous réexplique ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci? Oh, un soutarien. Les policiers, là. Non, les gars, c'est pas du tout les policiers. J'ai de la merde. Donc action, donc là il faut que... Voilà, que je les aime. Un skido. Ça s'appelle un skido. Il demande ce qui est arrivé. J'ai pas compris. Alors, you can pick up some items, machin. Voilà, donc c'est bon, j'ai pick up some items. Allez, descend. On veut descendre. Ah bah il est là. C'est là où le... Le mec qui conduit, il a atterri. Ah bah s'il a sauté de là. Je pense qu'il est mort. Je pense après. Amy, jump, you stay jump. Here. I'll see if I can reach the skidoo rider down there. Please don't fall to your death. I don't fancy living in an igloo. Not without central heating. En gros, elle lui dit de faire attention à ne pas mourir parce qu'elle aime pas trop vivre dans des igloos. En tout cas, pas sans chauffage. Donc elle est un peu con, Amy, hein, des fois. Après, elle est rousse. Faut pas lui en vouloir. Climb. Bah non. Ah oui, c'est ok. Pour un climb, c'est escalader du coup, donc je trouvais ça bizarre quand même. Action.
Ok. Bam. Alors, il faut l'aider à revivre. Revive the rider. Porsche upside call, if don't do something. Ouais, ok, il a eu froid en gros. Donc ça, je peux pick up la corde. Qu'est-ce que tu vas faire avec la corde? On peut savoir. Amy, can you tie this rope to something, please? Ah oui, il veut l'accrocher à quelque chose. We need pour to find remonter. A way to winch this fellow up. Sure. Ah d'accord, du coup on joue Amy. Ok. Il faut au TARDIS. Ah, je suppose que. Ah non. Ok. Ah, je croyais vraiment qu'il fallait faire un truc avec la corde et la. Ah, c'était avec ça. C'est bien ce qui me semble. I'll tie the rope to the skidoo's winch, doctor. Let me know when to start the motor. Ah oui, d'accord. Il va le réchauffer. Quoi? Avec le moteur? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Voilà, je vais finir de faire ça. Donc ça, c'est son sac à dos. Mm-hmm. Il prend son mescadi. Ok. Un collectible. Oh! Lime. Jelly baby. C'est trop mignon. Oh. Ok. Alors, comment on va faire pour le transporter, là? Need to revive the skidoo. Oui, mais comment je vais faire pour l'amener de là à là? Si j'ai bien. Ah, bah attends, j'ai pris un truc dans le truc. C'est cadeau, qu'est-ce que j'ai pris? Ça. Non. Ah, il faut qu'il. Quoi? Comme je comprends rien. Non, c'est parce qu'il me semblait. Je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire, c'est cool. Il y a autre chose dans le sac? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Alors, je pense pas qu'il faut prendre le troisième piste. Qu'est-ce que tu vas faire sur. Bah non, c'est pas logique. Il y a un autre endroit où aller. Alors là, je vous avoue que je suis un peu paumée. Parce que je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Alors attends. Ouais, donc ça c'est. En gros, c'est un GPS, ça. Satnav. Ouais, c'est ça, Satellite Navigation. Ça c'est une flasque qu'il a trouvé dans le machin, dans le sac à dos. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais bien faire échappe. Ah. Non, pas faire ça. Et la corde, du coup, il veut allumer peut-être? I need to revive the skill. Donc là, il veut vraiment lui le réanimer. Ah. Je vois pas comment. Je vois pas comment! Mm-hmm. On va essayer plusieurs trucs, hein, tant pis, hein, on va se prendre un peu la tête, mais des trucs pas très logiques. Voilà. I don't mind two more arms than good. Voilà, donc ça, il veut remplir, ça j'avais compris. Il y a quelque chose de chaud, bah alors là. Ah, je dois aller quelque part, c'est pas possible. Ah! C'est quoi ça? Trickling water. Ah, mais c'est pas très chaud. Ah, c'est de la worm. Ah, mais... Pff, ok. J'avais le truc, hein. C'est juste que je vais pas tout streamer correctement. Voilà. Non, c'est pas facile en anglais, hein, je peux vous dire. Il veut un tea bag. Alors moi, quand on me dit tea bag, je pense à autre chose, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien en anglais, hein. Il veut faire un thé, en gros. Peu. Get some warmth into you. Voilà, en gros, il le réchauffe avec l'eau chaude. Ok, c'est bon, on a suivi, on a compris, tout va bien. Où suis-je? Where am I? You fell. Donc, il est looks like your ankle is sprained. Sa cheville est cassée. But I'll soon get you out of here. Don't worry. Non, et je pense qu'il a une entorse. Ouais, c'est ça. D'avoir une entorse, que sinon il pourrait se lever. Et si je... Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai marre de faire ça tout le temps. Si my je parle. Not good, but I think I can make it. Ok, il peut nous suivre en haut. Et ça, c'est pour remonter. Voilà, ok, c'est bon, on a suivi. Don't worry. We'll soon have you sorted out. Alright, Amy, start the motor.
Au début, je croyais qu'il voulait le réchauffer avec le moteur, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ça n'avait aucun. Mais. Ah, ils sont pas très malins là. Amy! Are you alright? I'm okay, but you look kind of stuck. Ouais, ils sont un peu coincés, oui. The skidoo did the trick after all. There's another way out of here! You'd better get a move on! These shoes really aren't much good on ice, especially when it's shaking! En gros, elle dit que les chaussures ne vont pas trop sur la glace. Worry you, but the whole plateau could be about to collapse. I'm sorry, but I won't be able to climb anything. Mais il dit que je peux rien escalader. Don't worry, I'll make a route that's easier for you. Il a dit je vais vous faciliter la route. Voilà, j'espère que mes traductions vont bien. En tout cas, j'ai pas eu de retour là-dessus, donc c'est que ça va aller. Hop. Bon, après, je pense que la plupart vous connaissez. Oh, Sarah Jane Smith. Oh, trop cool, c'est l'une des anciennes compagnonnes qui après a fait une série à part qui s'appelait Sarah Jane Adventure. Voilà. C'était cool. Donc bon, je vais essayer de lui faciliter la tâche. Mais est-ce qu'il me suit en fait? Ah oui, mais il est lent du coup. Oh, ça va être chiant si je dois l'attendre. Je supporte pas ça. Bon ok, t'as mal à la cheville, mais quand même quoi, fais un effort. Hein. Cours. Ok, mais là il va pas pouvoir y aller, mais. Bah écoute, j'y vais, moi. Je le laisse là, au pire. Genre le docteur, tu sais. Ah, mais moi, ça me fait chier, du coup. Comme j'ai pas de solution, bah je vous laisse là, monsieur. Ah, là, je peux pusher ça, ok. Pusher. Lui, il est où, là? Ok, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, c'est le. Je suis con. C'est le. Ah, il est là. C'est le machin. Ah, je sais, il faut que je mette là pour faire un. Pour qu'il puisse passer par là. Mais. Pff, n'importe quoi. Mais allez. Je tente trop vite. Allez, push. Ouais, wouh. Trop bien. Je fais bien le moyen. C'est moi qui fais les voltages. Allez, push encore. Ah, t'as y en a là-dedans. Ah. C'est quoi? C'est censé être de la glace ou... On comprend pas trop là, c'est tout mou. Ça c'est un matelas, c'est possible. Un matelas qui traîne, je sais pas trop pourquoi. Je m'attendais tellement pas à ça. Merde. Attends, quoi? Ça c'est en train de se péter là? Mais attends, mais comment... Attends, je dois pas comprendre. On peut pas sauter, ok? Ah oui, d'accord, des fois ça se rapproche et des fois ça s'éloigne. Ça bouge, ok, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Je pense, hein. Et là, du coup, je fais comment? Ah d'accord, ça va se rapprocher. Ok! Bah, on voyait pas trop au début, hein. Je sais bien, mais ça se voyait pas trop. Ah, il y a un collectible là-bas qu'il faut choper avec la tectonique des plaques. On va l'appeler comme ça. Non! Mais... Pourquoi tu glisses? Il a glissé, chef. Non, je vais pas lui parler. Hein. Voilà. Arrête-toi. Putain, mais il a 10 000 pas d'avance. C'est insupportable. Voilà. Donc on attend un peu. Ah, ça bouge. Ça fait du bruit. Aussi. Allez. Bon, en plus, je vais devoir. Mais allez, t'as le temps de réaction, ça m'énerve par contre. Ah. Là. Alors j'aimerais bien aller chercher le truc quand même. Ça peut être cool. On va pas aller trop vite parce que. Comme il glisse, c'est insupportable. Ah, en plus c'est River Song, la femme du docteur. Ah là, ça va aller cool. Voilà, ouh, c'est bien, merci. C'est insupportable comme truc. Ah, climb, climb. En plus, voilà. D'habitude, on a des actions jump et tout ça. Donc là, je m'attendais pas du tout à ce qu'on tombe dans le vide. C'était trop bizarre. Ce truc qui arrive jamais, quoi. Mais bref. Ah. Ah! C'est-à-dire qu'il y a de la glace qui nous sépare. Ah. Ah. Push. Ah oui, d'accord. Non, pas par là. It's as salty to seek to push. To just push. Sick, c'est quoi? C'est. Malade. Quoi?
Malade. Malade, non, pas sick. C'est trop malade là pour pousser. Thick. C'est trop fin, je pense. Ah oui, mais non, attends. C'est de l'autre côté qu'il faut. Je sais pas si. Mais non. Écoute, fais ta vie, le docteur. Hein. Mais bon, si t'écoutes pas ce que je te dis. To melt it. Ah d'accord, faut un peu que je la fasse fondre. Non, elle est trop grande, je pense, en fait. C'est ça qui... Bref. Oui, mais avec quoi? Avec le tournevis? Ah d'accord. Le tournevis fait micro-ondes. En même temps, c'est un tournevis sonique. Ouais, mais non. On va la voir. Je comprends pas. Alors, push maintenant? Ah, juste un chat. Push, ok. Et bon, il peut. Mais pour moi, ça... Ouais, c'est censé se casser à mort, mais... Ok, ok, ça marche. Nickel, voilà, monsieur, je vous ai fait un petit pan. Vous pouvez passer maintenant. On est sympa. Et je veux pas dire, mais il marche super bien. C'est un gros mytho. Regarde, il court. Ah non, il fait... Aïe. On dirait un joueur de foot. Putain. Mytho, celui-là. Ah, bah on a fait fort. On a fait tour, c'est bon. Where is it? Not there. Ah, il veut retourner à sa base, mais il dit non, non, je veux pas. Non. C'est un Google. What's wrong? Waiting. They were waiting. Ils attendent. Il délire. Non, non, il délire pas. No, Amy. He's terrified. Ah, mais il a. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Ah, mais. Il a fait le fuck. So there are people there who need our help. En gros, il y a forcément un truc qui va pas et qu'il y a un SOS. Donc là, il va se servir du GPS. I repaired the great Klaxion generators of Thrad. I got the ionic flux engines of the Dragadorf Imperial flagship running with an old chewing gum wrapper and a mouse trap. I think I can fix a sat nav. Il dit qu'il peut réparer le GPS. If I hook this up to the TARDIS, I can rewire it in no time. Peut réparer un clin d'œil. Ah non, un claquement de doigts. Ah, du coup, il y a un mec Google là. Pip 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 fuck. Connect the sat nav to the TARDIS. Ah, ça va être encore le truc, voilà. Le truc avec con. Alors, il faut relier les fils au truc de fil. Alors, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Bon, voici. Voici. Le vert. C'est où? Ah là. Ah, il faut pas qu'ils se croisent, c'est ça? Il y a un truc comme ça, je crois. Alors. Ouais, ça va pas marcher. Ah non. Je suis pas allée par là? Ah non. Ah, par contre. J'ai du mal avec ma souris. Donc là, non, ça va marcher. Il va falloir que je passe. Oui, là. Lui, est-ce que je lui fais faire un grand tour? J'ai peur, hein. Note. Allez, allez, la souris, allez. Descends. Ah. Le bleu. Ah non, c'est là que ça commence. Ah non, ah, je peux aller en haut. Ah bah non. Ah, j'ai fait tout ça pour rien. Ah non, bah non, parce que le violet, il faut que je le passe de l'autre côté. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Je suis embrouillée à mort. Attends, si je fais ça, voilà, c'est bon. C'est le violet qu'il faut que je fasse passer par là, c'est logique. Là, là c'est par là. Voilà. Après c'est t'es par là. Ah. Mais allez, pourquoi il veut pas? Il est trop court? Ah d'accord. Bah. Je suis pas folle, il est là le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas aller là? Ah, il est en bas! What? Ok. Je suis passée par une grosse con là. Tout va bien. Mais non! Attends, quoi? Ok. Ah, il y a un plus et un moins, je pense. Non, même pas. Ah bah, J'ai pas compris, hein. Ah, c'est pas compliqué. Allô? Allô, y a quelqu'un? Oui? Bonjour? Bonjour, le jeu? Ah non, il reste le rouge. Je croyais que j'avais fini. Je croyais que ça bugué. C'est bon. C'est bon, j'ai réparé. Je sais tout réparer. Si vous voulez réparer votre GPS,
Je peux vous réparer le GPS. Now we find out what got our friend Chisholm so terrified. Yeah, like that's a good idea. Oui, of course it is. Oui, c'est une bonne idée d'aller voir ce qui terrifie ce monsieur au point que ça lui fasse faire le phoque sur la glace. Enfin, je pense que c'est un truc assez impressionnant. Bah, c'est forcément le Superman, mais je peux pas le dire. Allez, on va aller voir ça. Doctor, did you ever see the thing? The Carpenter Kurt Russell the thing with Howard Hawks thingy with the walking carrot. Not sure I see your comme point. Le film The Thing. Anyway. You brought me back. Well, they'll get us all. Bah, façon, il est pas content, mais reste dans le TARDIS. Whatever happened here, I can help. I promise. How? They got everybody. They changed them. Bah, c'est bien le Into Cyberman, what? Ça. A changé les gens. Robots, les transformé. Slaves. Cyber slaves. Cyber slaves. Des cyber esclaves. Ah, les trucs qu'après ils défont tout petit petit. Dans les dernières saisons. Là, ils sont énormes encore. C'est les vieux Cybermen. What was that? A cyber mat. It didn't look like one. Weird. I've seen them kill people before, but never turn people into robots. Genre, tu connais pas les Cybermen? Why would they do that? Ok, bon, c'est comme si ils savaient. Let me take a look. No. Get away! Get away from me! Ah, il devient méchant. You have to let me help you. Non, non, mais laisse tomber. Too late for me now. What's going on here? What's going on? I think the answer to that is in there. Allez, bah, l'enquête, yeah, vas-y, of course. It would be. Amy, elle est pas trop contente, du coup. If you get stuck, don't worry. Press escape to see what you need to do. Bon, si vous êtes bloqué, vous pouvez parler à Amy Pound. Get into the base. Alors, du coup, Ace of Base. C'était drôle. Alors, examinez. Key card lock. No key card. Maybe I should knock. Lol. Vas-y, tape. Knock knock. Ah, knock knock, super. Oh, hello. And who are you then? Ouais, bah, conversation not your strong point, is it? Amy, I'll keep his attention while you think of a way to overpower me? Him. I thought that was your job. I thought you liked to be independent. Now, if you could think of something fast. En gros, il a s'est mis toute seule chercher à faire diversion. Je pense. Attends, what? Ça veut être ouf. Attends, comment je peux faire là? Non, à faire, à le désactiver en bon, mais avec quoi? Ok, ah, il y a un collectible, je vais le prendre au passage. Ah, Rose Tyler, trop cool. Première compagnonne. Alors, il doit forcément y avoir des trucs, voilà, examine, c'est quoi? It's a steam vent. Ok, use. Ok, elle a fermé la valve. Ah, est-ce que... Bah, je pense qu'il faut faire là aussi. Alors maintenant il faut qu'il soit qu'il passe par là. Mais je pense qu'ils font le tour. Mais attends, 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 mais moi je veux pas me faire choper. Hein. Ah, ça va marcher? Attends, moi je croyais que ça sortait de là. J'ai cru. Ah non, mais attends, il y en a plein. On va faire ça pour tous. Estime, comme le truc du jeu. Je suppose que c'est ça, hein. Je ne vois pas d'autres trucs. Hein. Ah mais d'accord, ça dure pas longtemps. Ah, faut que je le fasse au bon moment. Ok, et bah allez, un petit tour. Je pense, hein. Oui, ça doit être ça. Là, je peux le refaire en gros. Ah non, même pas, je peux pas le refaire. Ah si. Alors, on va attendre qu'il passe par là. Par contre, c'est chiant les bugs. Hein. You must eliminate. Je sais pas si je suis dans mon thème. Ah si, c'est bon. Yes! Ha! Take that. C'est bah, take that. Well done, Amy. Merci, pick up. Non, non, mais pick up. Comme relais pick up. Let's see if we can learn a bit more about this fellow. Donc il va examiner this Cyberman. This key card says it belongs to Alan Watts. I imagine that's who he used to be. Donc ça appartenait à Alan West. The Cyberman nanoforms have done their work. Nothing really left of Alan here. Donc en gros là il comprend que c'était en fait des humains à la base et que les cyber trucs là, les espèces de grosses de gros
comment on pourrait dire, une grosse vermine, et bah ça les a transformés en Cybermen. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant je peux faire un... voilà, une petite carte CSGO. On aurait dit que c'était écrit CSGO. Ah non, c'est GSO. Donc maintenant il faut que j'enquête et voir si j'ai des survivants. Alors, donc là il y a un Cybermen. Watch out, Amy. There's another cyber slave around. Oui, forcément, si c'était une base, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de cybermen. Until we know exactly what's going on. Donc, il faut faire attention, là, parce qu'ils sont un peu... Voilà, donc ça va être comme avec les Daleks. Il va falloir les éviter. Éviter leurs rayons. Ah, par contre... Ok, use Itsaki code lock. The name tag says Midos. Midos. Il a pas le code, ok. Et si tu fais avec ton tournevis, mec? Non. Et si on fait avec la carte? Non plus. Alors par contre, oui, c'est... oui, ah non, merde, c'est pas... je faisais ZQSD, je suis con. Attends, je... Ok. Ok, là ça s'ouvre. Oula, il y a un cyber... Ah non, c'est quoi? Oh merde. Ah non, je veux pas. Collect. Vanilla. Jelly Baby. Mais tout à l'heure c'était citron. Maintenant c'est vanille. Ouais, alors. Oh, j'ai eu peur, putain, c'est la. Oh, c'est la porte qui fait du bruit. Est-ce qu'on peut le. Non, on peut pas. Pas l'air de pouvoir aller là-bas. Hein. C'est un peu trop risqué à mon goût. Est-ce qu'on peut récupérer un moment? Il y a rien à récupérer. Bon, on va aller par là, hein. Il y a forcément le code quelque part du coup de la porte. Je sais pas où. Encore un lieu où je vais me perdre à mort, ça c'est sûr. Et ça s'ouvre pas là? Il y a un collectible là. Puis je cherche que des collectibles. Ok. Nickel. Ça ne s'ouvre pas non plus. Ok. Non, je veux pas te parler à Amy, mais pousse-toi Amy, tu prends toute la place. Elle est insupportable. Il y a sûrement moyen là. Là, j'ai pas un truc là-dedans. Non. Non. Bah ouais, mais t'as pas le truc. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Makes me continue. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de le. Come on, little fella. Shoot. He's not going anywhere. Ok. Et si on fait ça? Look, a tin can on legs. Ah, ok. Make my can opener. En gros, voilà, ok. Did not like that. The sonic signal gives them cyber migraine. The sonic's frequency. Ça leur fait une migraine. We might be able to rig something at another frequency to stun or deactivate them. Il répond en gros. Those things are worse than spiders. De son temps lui sonic. J'ai mal à dire. Ok. Il y a sûrement un truc là-dedans. Let's see if we can get some information out of this system. Research Meadows, Research JSO, Research Chisholm. On va chercher Meadows. Donc, Elizabeth Meadows, c'est celle qui est responsable du truc. Elle a une fille qui s'appelle Daisy Meadows. La pauvre fille, Daisy Meadows. Ah, il doit y avoir un jeu de mots. Elle est née le 5, ok. Donc le code c'est 0505. Et ben, on va se laisser là-dessus parce que du coup j'ai trouvé le code de la porte. Et du coup, on va se retrouver dans l'épisode prochain pour la suite de ce petit épisode avec les Cybermen. Où là, j'espère que je vais vous montrer tout mon talent de détective. Comme là, vous voyez, j'ai trouvé le code hyper easy. Franchement, je suis trop forte. Et oh, il y a même un truc là. Ok, donc on verra ça dans le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre l'aventure voilà, que je mène sur ce jeu Doctor Who The Adventure Games. Ça déchire ça, j'aime beaucoup jouer à ce truc. Allez, ciao!